Hamon & Benson. Le journal des stratèges. On parle du premier hélicoptère à hydrogène qui a été bien réalisé grâce à Coax 2D de l'allemand Helm Aerotech et qui a été modifié par PIAC, qui est Piasky Aircraft Corporation, nous dit Futurascience.com. Alors l'appareil sera le premier hélicoptère à disposer d'un moteur alimenté par de l'hydrogène. Il va donc embarquer une pile à combustible qui va dégager 80 kW. L'aéronef disposera d'une batterie, d'un réservoir d'hydrogène, d'un onduleur et d'un moteur électrique. Or, pour gérer l'ensemble, un système informatique sera intégré, ainsi qu'un procédé de refroidissement doté de 4 ventilateurs. Un réservoir d'oxygène sera aussi, nous dit-on, disponible. Alors, PIAC souhaite réaliser un prototype fonctionnel qui pourrait l'aider à concevoir son propre hélicoptère à hydrogène, ça serait le PA-890. Selon PIAC, l'emploi de la pile à combustible à hydrogène pourrait réduire les coûts d'exploitation de 50%. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.